Bonjour à tous, bienvenue à cette première table ronde à Vox de cette journée professionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une table ronde introductive où on va parler du panorama du livre audio en France avec donc trois intervenants. Oriane Cabot, qui est donc responsable marketing et aussi membre de la commission audio au Syndicat national de l'édition. Bonjour Oriane. Bonjour. On a aussi Lisa Fajard, qui est donc la directrice de l'ISI. Bonjour. Et donc Christophe Rioux, qui est enseignant-chercheur à Sciences Po Paris et journaliste. Bonjour. Donc, on va démarrer cette table ronde qui est plutôt un peu courte par une introduction sur le livre audio depuis le confinement, parce que justement, on a vu que les usages avaient beaucoup évolué depuis ce premier confinement en mars 2020. Et donc, à ce propos, il y a eu une étude qui a été publiée en mai dernier, pardon, en avril, par le SNE avec Médiamétrie, sur l'évolution de ces usages. Et donc, Oriane Cabot, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On peut commencer par dire que le marché du livre audio en France n'est pas un marché complètement mature, mais c'est un marché qui est en croissance, en évolution, et surtout, les signaux qu'on remarque, c'est que c'est un public qui se rajeunit et qui s'agrandit, donc on est très heureux de cette situation. Et on note des très fortes disparités entre les évolutions du support CD et du support numérique. Pour donner quelques chiffres, pour se retrouver un petit peu dans le public qu'on a du livre audio en France aujourd'hui, le baromètre donc du livre numérique et du livre audio du SNE nous annonce que 20% de la population, ce qui fait quand même un Français sur cinq, annonce écouter des livres audio. On a du coup 8 millions à peu près de Français qui déclarent écouter des livres audio sur format physique et 5,8 millions qui déclarent écouter des livres audio sur format audio numérique. Pour remettre ça un petit peu en perspective, on a seulement 26% de la population qui déclare lire des e-books. Donc on a vraiment cette sensation qu'il y a, surtout sur ces 2 dernières années, un rattrapage du support livre audio par rapport à l'ensemble des options disponibles pour lire et écouter des livres en France. Et c'est quelque chose qui a l'air de se confirmer à la fois par le rajeunissement du public qui est beaucoup plus jeune que le public du livre papier. En moyenne, les lecteurs de livres imprimés ont 48 ans, alors que les auditeurs de livres audio CD ont plutôt 40 ans et les auditeurs de livres audio numériques ont plutôt 35 ans et demi. Donc on est vraiment sur une tendance plutôt attrayante d'aller chercher des nouveaux auditeurs, des nouveaux lecteurs. Et ça se confirmerait par le fait que parmi tous ces auditeurs de livres audio numériques, on en a 26% qui nous annoncent que pour la première fois qu'ils ont écouté un livre audio, c'était en 2020. Et c'est donc quelque chose qu'on a vraiment vu avec le confinement, des tendances qui se sont confirmées par les observations de tous les éditeurs, notamment du membre de la commission SNE, c'est qu'on a eu une vraie augmentation des téléchargements et des pratiques d'écoute pendant le confinement. Chez Audiolib, on a pu aller entre 30 et 65% d'augmentation selon les semaines. En moyenne, ça s'est stabilisé autour de plus 45% pendant les mois de confinement de mars à mai. Mais globalement, c'est une tendance qui s'est poursuivie sur l'année 2021. On se stabilise à plus 20% au cours de l'année, sur le numérique uniquement. Donc, c'est des signaux forts de découverte de nouveaux publics, avec à la fois la découverte d'une écoute familiale et aussi vraiment des personnes plus jeunes et des personnes qui n'écoutaient pas de livres audio avant qui viennent chercher le support. On a vu des téléchargements, des titres de fond, des grands classiques, pas forcément que des nouveautés, et aussi des titres jeunesse qui se sont démarqués pendant ces périodes. Elle est très intéressante cette question sur les usages et notamment sur le public parce qu'en fait, il a clairement muté ou en tout cas, aujourd'hui, on parle donc de jeunes et essentiellement des jeunes hommes qui sont venus vers le livre audio depuis le premier confinement. Lisa Faja, vous avez vous aussi fait une étude en interne chez l'ISI à ce propos et vous avez constaté un peu les mêmes choses que Corianne nous disait tout à l'heure. Alors, tout à fait. Donc, l'ISI est une maison quand même beaucoup plus jeune, puisque nos premiers titres sont parus en juin 2018.
Donc c'est vrai qu'on a décidé de faire une étude pour voir justement après le confinement voilà, comment les pratiques avaient évolué. On a voulu faire une étude à la fois quantitative et qualitative, donc on est passé par Ipsos. Et on a interrogé au départ 8000 personnes qui représentaient donc un échantillon de la population française en matière, enfin, voilà, en matière de sexe, de CSP, de lieu de vie. Parce que c'est aussi intéressant de regarder un petit peu comment ça évolue aussi à travers la France. Et de ces 8000 personnes, donc on a déjà tiré quelques statistiques que je vais vous donner. Et de ces 8000 personnes, en fait, on en a tiré 32 qui écoutent vraiment du livre audio de façon régulière et on leur a posé plus des questions qualitatives. Donc c'est aussi intéressant d'aller, je trouve, sur à la fois le quanti, mais aussi sur le quali, parce que ça montre des pratiques qui sont peut-être un peu inattendues. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc sur alors pendant le confinement, ce qui vraiment est ressorti, et l'étude a été faite en juin 2021, et donc on a posé des questions sur les pratiques de lecture sur les 12 derniers mois. Donc vraiment, c'est vraiment post-confinement. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu une surconsommation, évidemment, de la culture. Ça, les études le montrent. Donc, les gens se sont beaucoup tournés vers la presse, vers les films, les séries, les podcasts payants. Donc là, on est autour de 50% de la population qui vraiment a augmenté sa consommation. On a aussi la pratique des jeux vidéo, des podcasts, des web radios. Et sur donc la base de nos 8000 personnes, 10% ont écouté un livre audio au cours des 12 derniers mois. Donc on est un petit peu en dessous de l'étude du SNE. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ces 10%, donc 7% des 8000 personnes ont écouté un livre audio en entier. Parce que c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé le livre audio pendant le confinement, et ça a été un moment où en fait il y a eu vraiment de la découverte, comme disait Oriane, du livre audio. Donc on a quand même 7% des gens qui l'ont écouté en entier et 4,1% en numérique. Voilà, donc après il y a eu une écoute aussi collective du livre audio, c'est-à-dire que jusqu'ici, on a beaucoup parlé des usages du livre audio liés à l'écoute dans les transports, pendant qu'on fait du repassage. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup dit pendant le premier confinement. Oui. Vous avez remarqué que des gens se retrouvent pour écouter ensemble des livres audio. Alors, dans quelles circonstances ? C'est absolument. En famille ? Alors, le confinement, en fait, ça a été l'occasion justement de découvrir ce format et de le découvrir à plusieurs. Donc il y a plusieurs pratiques, et contrairement à l'aspect intuitif que c'est tout seul ou dans les transports ou multitasking, il y a évidemment cette pratique du multitasking, mais nous dans l'étude Cali, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des gens qui écoutent en couple et évidemment en famille, parce qu'il y a une surreprésentation des jeunes parents en fait, qui ont écouté et qui ont fait découvrir en fait des écoutes familiales avec les enfants pour évidemment les éloigner, ça on le sait bien, des écrans, parce qu'il y avait aussi une surconsommation des écrans, et les parents voulaient éloigner leurs enfants et leur faire découvrir le livre d'une autre façon. Donc ça, c'est, on sait qu'il y a eu cette écoute là ce qui peut peut-être un peu plus surprendre quand même, c'est l'écoute en couple et l'écoute entre amis aussi. Parce qu'il y a un vrai plaisir en fait à écouter un livre audio. Alors, ce que nous ont dit en fait les gens qui ont été interrogés, c'est que pour eux le livre audio c'est un accès simplifié au livre et à la culture, et que c'est vraiment une expérience riche et complètement immersive en fait. Ça les fait complètement déconnecter en fait de leur de ce qu'il y a autour d'eux, c'est vraiment un moment de détente. Ça, on l'a vraiment beaucoup entendu. Et c'est un moment, et j'en reviens à l'écoute collective, qui rappelle aussi beaucoup l'enfance.
parce que il y a beaucoup de, comment dire, il y a des gens qui nous ont raconté que quand ils étaient enfants et quand ils étaient par exemple malades ou le soir, en tout cas à ces deux moments-là, ils se souviennent vraiment soit en effet d'avoir écouté des livres audio et qui ne se rappellent pas de son Pierre et le Loup ou de ses 101 Dalmatiens ou du Petit Prince. Voilà, c'est vraiment des souvenirs très nostalgiques, mais aussi ce moment de partage en fait avec des parents qui s'occupaient d'eux spécifiquement à ce moment-là. Et donc on retrouve en fait ce plaisir-là d'écoute à plusieurs avec le livre audio. Voilà. Et si je peux me permettre, ça c'est un public un petit peu nouveau pour le numérique, puisqu'on avait déjà cette écoute familiale avec l'album jeunesse CD qu'on écoute avec les parents, on regarde les belles illustrations, etc. Mais pendant le confinement, on a eu cette découverte de l'écoute familiale du format numérique, du support numérique, ce qui était quelque chose qu'on avait un petit peu moins sur ce profil avant, puisqu'on a on a des tendances longues qui se sont accélérées sur ces deux dernières années, mais qui expliquent aussi qu'en France, le marché se développe en accord avec l'accessibilité des supports. On avait un public sur le numérique qui était plus masculin, plus jeune, plus technophile, et qui avait une meilleure accroche avec les supports numériques. Mais tout simplement, aujourd'hui, on a 84% de la population de plus de 12 ans qui a un smartphone. C'est énorme. Il y a 10 ans, c'était 17% de la population. Donc là, on a toute une génération qui est en capacité de maîtriser les supports numériques et qui a aussi beaucoup moins de préjugés sur le support audio, qui consomme la culture sous tous ses formats au même niveau, sans avoir une préférence marquée pour le livre papier, avec effectivement cette idée aussi peut-être un peu régressive de confort, d'écoute, de moments à soi, où on choisit vraiment de faire cette lecture pour le plaisir et que c'est pas une sous-lecture qu'on a pu entendre Je suis entrée chez Audiolib il y a 5 ans, c'était quelque chose qu'on entendait beaucoup, le livre audio c'est pour les gens qui n'aiment pas lire, c'est faux. On a en plus cette info du baromètre qui nous dit que 15% des auditeurs de livres audio numériques sont des gros lecteurs de livres papier, c'est-à-dire plus de 20 livres par an. Effectivement, on écoute des livres audio, mais on continue à acheter des livres papier et à lire de manière un peu plus classique, on va dire. À multiplier les supports. Exactement. Et on parle justement de tous ces chiffres, de tous ces changements. Et donc, Christophe Rioux, vous avez notamment créé le cursus à Sciences Po, le cursus intitulé « L'audio au cœur des nouveaux médias et des industries créatives ». Et donc, vous avez, du coup, senti le besoin, ou en tout cas, vous vous êtes dit, avec toutes ces études qu'on est en train de citer, qu'il y avait quelque chose à faire. Complètement. Et alors c'est drôle, je vais réagir un peu à chaud à ce que vous avez dit. Elles sont pleines de surprises, ces études, et elles remettent en question les préjugés, les idées préconçues qu'on peut avoir. Déjà, cette idée d'hédonisme social, comme on dit dans le champ culturel, on la trouve dans d'autres secteurs culturels. Et c'est l'idée de partager la culture de manière collégiale, en commun, est un aspect très intéressant. Le deuxième point qui me semble important, c'est que ces études, la plupart des études existantes, sont des études d'usage essentiellement, mais qu'elles ne donnent pas des données chiffrées, ou en tout cas de manière économique, parfois précise. On a un peu de mal parfois à avoir accès à des données sur des chiffres d'affaires, sur des dimensions peut-être un peu plus complexes. Et donc l'idée a été de créer, dans le cadre d'une association qui s'appelle La Plume de Pan, présidée par Cécile Palucinski, dont je suis aussi membre, en partenariat avec un certain nombre d'institutions, dont Sciences Po, un centre de ressources consacré à l'audio. Alors pas seulement au livre audio, le livre audio fait partie de l'écosystème, il est un des éléments, mais l'idée c'était de constater qu'on est dans une grande hybridation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le podcast monte en puissance, les enceintes connectées, on en parlera peut-être, prennent une place significative. L'audio dans sa globalité aujourd'hui devient un enjeu essentiel, fondamental. Et étonnamment, assez peu, à part quelques études évidemment, notamment à l'international et parfois en France, pouvaient aborder cette thématique ou ces thématiques. Et donc l'idée de ce centre de ressources, c'est de fournir des enquêtes et des études
avec Sciences Po Paris, et ce cursus que vous avez cité, dédié à l'audio, et ça c'est une première. Donc c'était un peu le point de départ. Et puis l'idée c'est qu'il ait aussi, ce centre de ressources, une dimension internationale, on ne se limite pas à la France, là notre objet aujourd'hui c'est la France, mais la France c'est aussi l'export, c'est aussi la francophonie, et c'est par exemple un des aspects que l'on souhaite mettre en place et développer de manière significative, en reprenant ou en s'inscrivant dans des actions qui ont été menées par l'association La Plume de Paon à l'international en matière de francophonie. Donc on par exemple était organisé en mai dernier des rencontres internationales de la francophonie se tiendra pour la première fois le 27 et le 28 novembre à Tunis. Un salon du livre, le salon du livre audio de Tunisie, en partenariat avec les Alliances françaises, l'Institut français et la Bibliothèque nationale de Tunis qui hébergera l'événement. Voilà, donc on voit bien que la dimension internationale, l'export est un aspect significatif. La Plume de Paon avait déjà un peu travaillé cette matière, cette question, en menant une enquête il y a quelque temps auprès d'éditeurs de livres audio, en leur demandant quelle est la part de votre chiffre d'affaires réalisé à l'export, et notamment dans le cadre de la francophonie, et c'était 8,5%. Ça peut paraître faible, ça peut paraître significatif, mais il faut savoir que derrière, en embuscade, on a 500 millions d'auditeurs potentiels qui sont les auditeurs de la francophonie, les individus liés à la francophonie, et qu'on a là un réservoir extrêmement important et intéressant. Et donc l'idée de ce centre de ressources, c'est à la fois de connecter le marché domestique, comme on dit en économie, de l'ouvrir aussi au grand large, à l'international et à tous ces pays aujourd'hui qui s'intéressent au livre audio. Vous voyez la Tunisie. Qui aurait parié il y a quelques années qu'un salon du livre audio se tiendrait en Tunisie, eh bien c'est le cas. Et d'autres pays sont évidemment intéressés grâce notamment au réseau culturel à l'étranger, à la diplomatie culturelle qui se met en place, les alliances françaises, les instituts. On a la chance d'avoir un maillage mondial qui peut s'avérer intéressant. Donc voilà, c'était un peu le point de départ. Comment on peut s'y retrouver avec tous ces chiffres et toutes ces études? Comment allez-vous fonctionner scientifiquement pour créer ce centre de ressources? Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui. L'idée, c'est déjà d'essayer d'utiliser Sciences Po Paris comme un laboratoire. On a la chance d'avoir un certain nombre d'outils. J'ai eu, par exemple, la possibilité de monter en tandem avec Stéphane Truchy, le président de l'IFOP, un cours il y a quelque temps. On est assez armé avec des institutions ou des outils, le CVPOF, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on a, y a un prisme politique qui est souvent assez présent, mais... Par exemple, l'analyse de la société française aujourd'hui, il me semble que comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui écoutent des livres audio, et on l'a vu là avec vos études respectives, et en tout cas celles que vous évoquiez, on voit bien que clairement, il se passe quelque chose, quoi, que l'audio n'est plus une île, que l'audio n'est plus un silo. Il est en interconnexion, il est en hybridation permanente avec d'autres champs. Ça va poser un certain nombre de questions. C'est vrai qu'on regardait autrefois le livre audio seul. Aujourd'hui, il faut penser les modèles hybrides, il faut penser que le podcast, que les enceintes connectées, que la voiture autonome, que l'intelligence artificielle vont, pour le meilleur et pour le pire, bouleverser ce jeu qui autrefois se jouait en solitaire. En tout cas, aujourd'hui, le but, c'est de s'adresser à ces nouveaux publics. Donc, ces nouveaux publics qui sont, donc, je rappelle, jeunes et masculins. Et donc, on constate déjà que dans les maisons d'édition de livres audio, on essaie vraiment d'innover en matière de promotion et de marketing pour attirer encore plus de jeunes vers ces livres audio. Elisa, Faja, vous me parliez l'autre jour justement de quelques innovations sur ce champ-là, notamment des parutions comme Dune, qu'on a vues donc récemment au cinéma, où voilà, vous êtes peut-être rapproché d'influenceurs. Comment vous fonctionnez aujourd'hui par rapport à ça chez Lizzie? Alors, je vais vous, en effet, raconter cette aventure de Vampiria. Avant, je voulais juste, justement, rebondir sur le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent du livre audio. C'est qu'en ce moment, en fait, c'est un moment extrêmement réjouissant pour le livre audio parce qu'il y a énormément de prises de parole, justement, sur ce format. Et je voulais juste signaler que, justement, il y a eu la foire...
du livre de Brive ce week-end et que Résid Hachendo, la présidente du SNL, disait justement que du CNL, pardon, disait justement que sa cible prioritaire pour allait être les 15-25 ans et qu'elle allait trouver, en effet, ça rejoint vraiment ce qu'on va dire, essayer de trouver des partenariats avec YouTube, avec TikTok, des soutiens de prescripteurs. Elle parlait aussi de lecture à voix haute, de clubs de lecture, d'ateliers d'écriture. Et elle voulait vraiment montrer, et encore ça rejoint ce qu'on disait, que c'est vraiment quelque chose, la lecture, qu'on peut partager à plusieurs et que les gens, justement, ont besoin de se retrouver. Et ça m'a vraiment... elle a dit une petite phrase absolument intéressante, c'est qu'il faut sortir le livre de l'étagère. Donc, maintenant, je vais vous raconter, en effet, comment est-ce qu'on peut sortir le livre de l'étagère grâce au livre audio et comment est-ce qu'on peut, en effet, aller chercher les lecteurs. Parce que c'est vrai que l'ADN de Lizzie, c'est vraiment d'aller chercher des nouveaux lecteurs. On est persuadé, en fait, que le livre audio n'a pas encore... est vraiment un secteur en croissance et qu'il y a énormément de lecteurs à aller trouver. Donc, je vais vous parler de l'expérience qu'on a eue sur un titre qui s'appelle Vampiria, de l'auteur Victor Dixen, donc qui est paru en version papier chez Robert Laffont dans la collection R, donc qui est aussi une collection qui s'adresse aux plus jeunes. Donc Vampiria, c'est une histoire qui se passe, c'est une histoire gothique, une utopie baroque, un peu horrifique. Le postulat, c'est qu'en 1715, le roi Soleil se transmute en vampire et devient roi des ténèbres, et que trois siècles plus tard, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jeanne et qui est arrachée à sa famille de roturier et qui va rentrer dans une école pour être formée en tant que noble et élite dans cette cour de Vampiria. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé ce titre ? On a travaillé, il faut le savoir, main dans la main, à la fois avec le papier et avec la maison d'édition papier, et bien entendu avec l'auteur. Donc ça a été toute une aventure. On a fait paraître le premier volume audio en même temps que le second volume papier. Ça, je reviendrai sur ces synergies, c'est très intéressant. Le public audio demande de plus en plus, en fait, de parution en simultané avec le papier parce que ils ne veulent plus attendre. Ils ont envie de pouvoir parler des livres en même temps qu'ils sont lus par les personnes en papier ou en e-book. Donc c'est plutôt une nouveauté, d'ailleurs, que les synergies soient de plus en plus proches. Avant, il y avait peut-être une réticence. C'est quelque chose qui a été très longtemps travaillé, défendu par les éditeurs audio. Je pense que tous les éditeurs audio ont toujours voulu paraître en simultané. Il y a aujourd'hui des réseaux de confiance beaucoup plus établis avec les éditeurs papier qui avaient peur d'une cannibalisation. Mais on a assez de recul aujourd'hui pour dire qu'en général, on n'a pas face à une cannibalisation du format papier. C'est plutôt les deux supports qui se soutiennent l'un l'autre et qui permettent de s'ouvrir ensemble. Ouais. C'est exactement ce qu'on a voulu aussi montrer à Robert Laffont. Alors pas Robert Laffont, mais c'est ce qu'on a voulu montrer au public, en fait, c'est comment est-ce que tout peut en fait se répondre. Donc en fait, au moment de l'enregistrement du livre audio, on a beaucoup parlé avec l'auteur et il nous a dit qu'en fait il avait une vision aussi assez sonore de son livre et une vision musicale. Donc on a créé 30 virgules sonores qui accompagnent en fait toute l'aventure. Il y a pas mal de ruptures aussi de temps, il y a des ruptures de lieu. Donc à chacune de ces ruptures, qui dans un livre est marquée par une petite étoile ou par un plus grand espace, à l'audio, pour la rendre, en fait, on a mis 7 virgules sonores. Donc on en a créé une trentaine. Et on a aussi créé en fait une musique originale. Pourquoi ? Parce que dans le livre, il y a une musique originale qui s'appelle la gigue sans repos. C'est une musique sur laquelle les nobles se mettent à danser, peuvent s'épuiser jusqu'à la mort. Et on voulait en fait, avec l'auteur, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer cette gigue endiablée et l'offrir en fait comme bonus pour les
pour les audiolecteurs. Donc on s'est rapproché d'un musicien qui s'appelle Hugues Maréchal et qui nous a créé cette bande-son complètement originale, qui est hyper entraînante, qui correspond complètement à l'univers du livre. C'est assez saisissant, en fait. Et ça nous a permis, en effet, au niveau marketing, de beaucoup nous amuser, puisque donc, dans le livre papier, on a mis un QR code avec un renvoi vers cette Jigs en repos. Donc il y a eu vraiment des échanges entre le grand format et nous. Donc les gens en fait pouvaient, quand ils ont le volume 2, ils peuvent scanner le QR code et écouter la Jigs en repos et découvrir ainsi un extrait du livre audio. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un trailer pour la sortie du livre, en effet, où on annonce à la fois la sortie papier, la sortie audio. On a créé un site internet dédié, parce que vraiment, Vampiria, c'est tout un univers, et on y a mis des extraits audio. Donc les gens peuvent à la fois voir la version papier et écouter des extraits. On a fait justement des petites capsules avec des extraits, avec plein de petits extraits audio. On a fait un jeu concours avec le grand format. Et là où on s'est vraiment beaucoup amusé, c'est qu'on a lancé un challenge TikTok. Donc on a la collection R a un compte TikTok. Et on a demandé donc, à une jeune chorégraphe qui s'appelle Léa Faïs et qui adore le livre, de nous créer une petite danse originale. Puisque sur TikTok, on répète des danses. Et donc, elle nous a fait une danse que nous, on a trouvée à peu près simple, mais qui finalement est quand même un peu challenge. Donc, toute l'équipe s'y est prêtée et chacun a justement posté cette petite danse. Et on a fait un jeu concours pour justement que les gens répètent la danse autour du... autour de l'univers de Vampiria. On a eu pas mal de participants et notamment des choses extrêmement originales. Enfin, c'était assez saisissant parce c'était que... C'était un Vampiria Challenge, du coup. C'était un Vampiria Challenge. Avec le bon public, le bon, ouais. La bonne thématique. Et c'était... Enfin, moi, franchement, j'étais assez émue parce que... Alors, c'est principalement des jeunes femmes qui ont... participer à ce challenge, mais il y a eu une telle implication, c'est-à-dire qu'elles se sont habillées, elles se sont vraiment mises en scène dans des décors, enfin, ça a été assez spectaculaire. Il y a une jeune femme qui, ne sachant pas très bien danser, a dessiné carrément un animé de la danse. Donc là, c'était quand même hyper créatif. Ça va loin. Voilà. Et on a fait un petit concours. Enfin, voilà, et c'est vraiment une façon complètement différente d'atteindre justement un autre public, d'aller chercher des lecteurs là où ils sont et de créer un peu des événements autour du livre audio. Ça fait vraiment découvrir l'écoute. Ce qu'on constate, c'est que depuis qu'on a démarré cette table ronde, vous parlez de jeunes, vous parlez de smartphones, vous parlez de digital. Un autre élément très important depuis le confinement, c'est le recul du CD. Le CD qui était surtout en bibliothèque. Est-ce que, Oriane, vous aussi, vous avez effectivement non seulement enlevé le CD de plusieurs titres, mais fait aussi reculer cette production ? Alors, du côté d'Audiolib précisément, effectivement, on va publier aujourd'hui notre production à 50% en format CD numérique et à 50% en format pur numérique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup cette question qui soulève, c'est ce qu'on disait au début sur les disparités du format. Il est d'un côté très dynamique sur le numérique, mais on a une absence de visibilité globale. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, on a très peu d'informations économiques sur l'ensemble du marché. Chaque éditeur va disposer, bien entendu, de ses propres chiffres de vente, mais les acteurs des plateformes numériques ne publient pas de données complètes. Donc, on est aujourd'hui dans des partages de tendances et des connaissances de croissance sur nos propres données, etc. Mais on n'a pas de vision globale du marché et les types d'achats, les comportements d'achat
sur le CD et le numérique sont tellement différents et les genres disponibles sur le CD et sur le numérique sont tellement différents qu'on ne peut pas vraiment extrapoler à partir des informations CD qu'on a pour savoir à quoi ressemble le panorama des acteurs économiques en numérique aujourd'hui. C'est quelque chose qui, bien sûr, est un petit peu l'enjeu du secteur, puisque chacun a envie de savoir s'il se positionne bien par rapport aux autres. Et c'est quelque chose qui stimule beaucoup la croissance de l'offre. Comme on a des nouveaux publics qui sont intéressés, on a envie d'aller se lancer sur des nouveaux genres, sur des formats un petit peu plus hybrides parfois. Et on a aujourd'hui en France 15 000 titres à peu près disponibles en français, sauf que les deux tiers de ces titres sont en exclusivité, c'est un acteur majeur. Donc chaque maison d'édition de son côté fait grandir l'offre et essaye des nouveaux genres. Pour Audiolib, ça a été notamment sur l'imaginaire, sur le doc et le développement personnel et tout ce qu'on va appeler la vie professionnelle qui est à mi-chemin entre du livre de développement et des conseils pratiques pour devenir riche, mieux organiser sa vie, être efficace au quotidien. Tout ça, c'était des genres qui, pour une raison ou une autre, avaient du mal à s'installer en CD et qui vivent très très bien en numérique. On a globalement les genres qui marchent partout. La littérature, le polar, certains livres de méditation qui marchent sur tous les supports. Et pour Audiolib, en tout cas, on avait un frein à l'imaginaire. Le public était moins présent, les libraires étaient moins porteurs du format et de recommandations en librairie. Et on avait des titres très très longs. En imaginaire, on s'engage souvent sur des séries de 3, 5, 8, 18 tomes. C'était quelque chose qui avant était difficile à faire pour un éditeur, qui est aujourd'hui un petit peu plus raisonnable, on va dire, puisqu'on sait toujours qu'il y a une déperdition dans les séries, mais qu'on peut se permettre aujourd'hui avec des séries comme The Expanse, avec tous les titres d'Asimov, qui donnent, ou alors encore le vieil homme et la guerre de John Scalzi, qui sont des séries vraiment de science-fiction cultes qui n'avaient jamais eu l'occasion d'exister et qui trouvent tout à fait leur public en numérique. On parle justement de ces formats, mais Christophe Rioux, là, surtout, on revient à l'éternelle question du modèle économique du livre audio, où aujourd'hui, par exemple, en France, on paye un abonnement pour avoir droit à un titre par mois. L'illimité, c'est pas pour tout de suite en France. Pouvez-vous nous en parler plus de, justement, cette spécificité française, puisque les autres pays européens sont passés, pas tous, hein, mais déjà passés à l'illimité? Oui, ben c'est tout le problème du modèle économique, de la rentabilité. C'est vraiment le sujet, avec une perception du livre audio parfois ressentie comme cher et un certain nombre de difficultés. Mais si on regarde, et je trouve que c'est toujours important, l'écosystème global de la culture, on remarque que l'illimité est devenue la quasi-règle. Les industries culturelles et créatives, si je les prends dans leur globalité, sont toutes devenues des industries d'abonnement, presque toutes. Et donc, fatalement, on va le voir, on parlait de la dématérialisation, on parlait d'acteurs qu'on n'a pas forcément cités, mais effectivement, on peut évoquer de manière plus large les GAFAM, mais on peut aussi évoquer la montée en puissance de Spotify et de Deezer, c'est-à-dire que les plateformes de streaming, évidemment, sont en train modifier là aussi et de faire évoluer un petit peu les choses. Et donc, globalement, cette idée de passer à un modèle qui serait un modèle de l'accès, il y a un économiste qui s'appelle Jeremy Rifkin qui l'a très bien théorisé, hein, l'âge de l'accès, the age of access. Aujourd'hui, on préfère accéder à quelque chose plutôt que de le posséder physiquement, matériellement. Et les prophéties de Rifkin, puisqu'elles datent maintenant, elles se sont réalisées. Et précisément dans le champ culturel. Et donc, c'est un vrai sujet, et c'est vrai que la France n'est pas une île, elle non plus, je parlais du livre audio tout à l'heure qui est dans cette situation-là. Et donc, on voit bien que on manque aujourd'hui de vrais substrats économiques. C'est vrai qu'on manque de données économiques claires. Elles vont devenir nécessaires et même indispensables pour comprendre ce qui se passe. Le marché est en train de se structurer. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et on est en train d'entrer dans quelque chose qui existe dans toutes les industries culturelles et créatives, qui est une polarisation sur des têtes de gondole, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet Mathieu. Vous savez, l'effet Mathieu en économie, c'est à ceux qui ont beaucoup, il sera beaucoup donné. À ceux qui n'ont rien, on leur retirera ce qu'ils avaient. Et donc une focalisation sur des titres puissants. Aujourd'hui, vous avez des livres audio qui peuvent atteindre 100 000 exemplaires d'après certains éditeurs de livres audio. Bon, ça peut sembler énorme, mais effectivement, on voit bien qu'on a une focalisation sur quelques titres qui aspirent
Et puis, on a ce qu'on appelle en économie une longue traîne, hein, c'est-à-dire l'agrégation des petites ventes au détail, c'est-à-dire on a vraiment une dichotomie entre d'un côté l'effet Mathieu et de l'autre cette longue traîne. Et ça, c'est très dangereux parce que ça favorise un marché dans lequel les majors dominent le marché et les indépendants ont du mal à trouver leur place. Mais de toute façon, ce marché, il a vocation à évoluer au vu des nombreux acteurs qui sont en train d'arriver. On citait au début les enceintes connectées. Ce n'est pas que des enceintes connectées, mais on a de plus en plus de boîtiers mini radio pour enfants jeunesse. On parle de Yoto, on parle de Tony's à la fin de l'année. Ce sont de nouveaux acteurs qui viennent capter l'attention de la jeunesse, mais aussi côté adulte, on parle de Bookwire. De toute façon, ce modèle, il a vocation à évoluer. Ah oui. Oriane, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a trois types d'accès aux livres audio et qui, effectivement, comme on dit, c'est un marché qui est vraiment en train de se structurer. On a l'accès par le CD qui a eu effectivement ses heures de gloire il y a quelques années, puisqu'on est plutôt en baisse sur le marché CD, mais qui permet l'accès au public empêché, au public qui ne sont pas à l'aise avec le digital, aux médiathèques et aux bibliothèques qui ont historiquement été les premiers prescripteurs du livre audio, puisque les bibliothécaires n'avaient pas cet empêchement à l'idée que ce n'était pas vraiment lire, mais qui sont aussi l'accès à l'enfant, à l'écoute familiale, à la possession de l'objet, à prendre son indépendance, le mettre dans son lecteur CD, ou aujourd'hui utiliser sa box Toonies, sa box Yoto. C'est quelque chose qui, a priori, va perturber et qui permet une richesse éditoriale, effectivement, puisque certains livres vont représenter... certains livres vont faire leur vente uniquement au format CD. Dans le panel des livres audio-libre, on a un peu plus de 1100 titres aujourd'hui. Certains vont faire 15% de vente en numérique et d'autres 85% pour ceux qui existent au format CD. Donc si on arrête le format CD, on perd toute une partie de la littérature qu'on souhaite défendre et qu'on souhaite continuer à mettre en librairie. Les deux autres types d'accès aujourd'hui, c'est l'accès par abonnement, où on a effectivement en France le modèle de un titre par mois pour environ 9 euros, et l'achat à l'acte en numérique, où on paye à peu près, à quelques euros près, le même prix qu'un CD, mais pour l'achat d'un fichier numérique qu'on va trouver sur plein d'autres acteurs. Il y a beaucoup de tentatives de faire évoluer le modèle vers l'illimité, mais si on a appris une chose de la musique, c'est que le modèle illimité est très destructeur de valeur pour le créateur, pour l'éditeur, et comme on le disait, c'est le règne des majors. On se retrouve sur un modèle plus proche du podcast qui a aussi du mal à trouver un modèle économique. Est-ce qu'il est financé par la publicité? Est-ce qu'il est financé en amont par un producteur? Dans ce cas-là, qui prend en charge le risque éditorial? Est-ce qu'on peut rémunérer les créateurs au départ et ensuite vendre zéro livre audio? C'est ce qui se fait actuellement avec le modèle d'achat à l'unité. Ces modèles illimités semblent très compliqués à installer pour maintenir la valeur pour chaque acteur du livre, pas uniquement pour une seule personne. Et il semble aussi un petit peu contre-intuitif par rapport à la façon dont on écoute les livres audio aujourd'hui. D'une part, parce qu'un livre audio, ça peut être très long. Ça peut commencer autour de 2-5 heures, mais on va être plutôt en moyenne sur 10 heures, on va avoir des titres de 15 heures, etc. Et on n'a pour l'instant pas de signaux nous indiquant que les gens écoutent plus de 2 livres par mois. On n'est pas dans du binge listening qu'on peut avoir quand on regarde des séries télé ou des choses comme ça, et on n'est pas dans la réécoute d'un titre en continu comme on peut l'avoir pour la musique. On écoute un album ou une chanson et on ne va pas l'écouter une fois, on va l'écouter 300 fois. Et là, on génère un revenu minimum pour l'artiste et pour tous les acteurs de la chaîne. Oui, mais on ne peut pas tester plusieurs livres audio par mois. C'est un peu la critique qu'on vous fait assez souvent. C'est qu'une fois qu'on a choisi un livre audio le 1er mars, on devra, et que si on ne l'a pas aimé, en fait, c'est jusqu'à la fin du mois, contrairement à Netflix. Oui, c'est vrai. Alors, sur l'étude justement qu'on a faite, il y a clairement, moi je pense qu'il y a deux choses différentes, c'est la façon dont les consommateurs voient l'offre et la façon dont ils pensent leur consommation en fait, parce qu'en effet dans la réalité peut-être qu'ils ne consomment que 2 livres audio par mois, mais ils ont besoin d'avoir cette perception de l'illimité. Nous on l'a vraiment vu dans l'étude, il y a une incompréhension en fait du modèle de tarification de un livre audio par mois.
Et ça, clairement, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte parce que, alors je vais reprendre, si je vais me permettre, des mots d'un auteur du groupe, Joël Licker, qui est intervenu chez nous et qui nous a dit qu'en effet, le livre, il fallait faire très attention qu'on ne rate pas le virage que la série télé a réussi à faire. Parce qu'il faut se rappeler que la série télé, il y a encore quelques années, c'était ringard. C'était à la télé, c'était ringard, voilà. Et maintenant, c'était un épisode par semaine. Exactement. Et que, en effet, ces modèles d'abonnement illimité ont rendu les séries tellement glamour que maintenant, en fait, vous pouvez parler à votre copain en Angleterre et qu'il a regardé la même chose que vous. Et vraiment, il faut qu'on arrive, en fait, sur le livre et sur le livre audio à, comment dire... à rendre à ce que ce soit aussi glamour et qu'en effet on puisse échanger lors de en effet alors on voit que le livre audio en effet on l'écoute à plusieurs mais qu'on puisse en effet échanger sur ses écoutes sur ses lectures c'est très très important donc maintenant en effet le il faut voir comment est-ce que tous les acteurs peuvent être rémunérés et peut-être créer une offre vraiment différente. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui se posent la question, beaucoup de nouveaux entrants sur le marché qui essayent d'explorer des nouveaux modèles. Exactement. Qui arrivent à combiner à la fois l'envie du choix de tout tester avant de prendre une décision, ce qu'on ne fait pas en librairie, hein, on achète un livre et on ne sort pas avec le catalogue, sinon on va en médiathèque, et la captation de valeur pour tous les acteurs du livre. Christophe, un dernier commentaire. Après, on arrête, en fait. Parce que malheureusement, on n'a pas plus de temps. Je ne peux pas vous donner la parole, je suis désolée. Mais peut-être un mot de fin. Oui, bon, c'est toujours terrible de devoir conclure. Mais non, je vais... Allez, restons sur une belle note d'espoir. Je vous parlais tout à l'heure de Sciences Po Paris. Mes étudiants, en master, ils ont, donc ceux qui suivent le cours l'audio au cœur des nouveaux médias et des industries créatives, ils ont 22-23 ans. Et ils écoutent des livres audio. Alors, pas tous, évidemment, mais je fais évidemment des petites statistiques à chaque fois. Et j'ai même des fans de livres audio. Et ça a commencé depuis la petite enfance. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un incroyable message d'espoir. À un moment, on regardait le livre audio d'une certaine façon, avec une vision qui n'était peut-être pas celle-ci. Alors, c'est vrai que le podcast a un impact très fort et que le podcast aussi est une pratique et en tout cas l'écoute de podcast est très fréquente, mais la très bonne surprise à la fois de ce cours et de ces étudiants, c'est de découvrir qu'ils écoutent avec plaisir des livres audio. Voilà, donc une belle note d'espoir. Hein, on est dans les chiffres de certains baromètres où 15-24 ans, ils sont dedans, dans cette tranche d'âge, hein, 20%, 19%. Je suis fier, moi, de constater que c'est le cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et bonne suite.